présenter tous mes vœux de bonne année. 2011 nous apporte bien sûr la santé, c'est très important, le bonheur et bien sûr la réalisation de tous vos souhaits, les plus chers pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Voilà, je voulais remercier vraiment vous tous, bien sûr, d'être venus, particulièrement les élus, à savoir le président de la communauté de communes. Cher Jean-Pierre, merci d'être parmi nous. Bon nombre de maires de notre communauté de communes et même de notre canton. Et aussi des élus, bien sûr. Les représentants de la gendarmerie, l'adjudant Simon, l'adjudant chef Bef, et le capitaine Rousseau, qui fut l'honneur d'être parmi nous. Les représentants des pompiers, les représentants de la Croix-Rouge, que j'ai vu aussi. Madame Pringy, qui est la responsable de l'action sociale du Conseil général sur le secteur de Jean-Rotreau. Je voulais excuser Monsieur Cresta, qui a un petit souci de santé, notre directeur de l'hôpital, qui s'est fait une petite entorse à aller dans le plâtre, il s'excuse de ne pas être parmi nous. Monsieur Cava, qui doit être parmi nous, le principal du collège. Et puis, bien sûr, tous les responsables d'associations, Monsieur le président de l'association des CIA, des commerçants, et puis les associations sportives et culturelles. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Je voulais aussi profiter de cet instant pour remercier la presse locale qui suit au quotidien, en toute année, nos événements. Que ce soit la Nouvelle République, j'espère qu'elle sera toujours parmi nous, la République du Centre, la Nouvelle République Stade-Tour, la République du Centre, je t'ai passé peut-être après, les cours républicains et l'action républicaine. Voilà, merci en tout cas à la presse locale de relayer toute l'année nos informations. Alors, si vous souhaitez, pendant une dizaine de minutes, intervenir sur les événements 2010, qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, et puis vous donner quelques approches de nos projets pour 2011. Alors, comme vous avez pu constater, que ce soit le début de l'année 2010 ou la fin, elle était quand même perturbée par des conditions climatiques exceptionnelles, des conditions de neige dès le début de l'année, surtout en fin d'année. Ce qui nous a permis de faire de belles photos, c'est vrai, mais ça a surtout été perturbant au niveau des déplacements. Alors, je voulais revenir par rapport à l'action de nos services, par rapport au déneigement et au salage. Nous avons vu avec l'ensemble des élus, notamment Michel Thomas, Jean-Jacques Latigny et Pierre Poussière, voilà l'emballement. Tous nos plans de ressalage, de déneigage, ainsi de tous les plans de crise. Donc les documents sont à votre disposition à la mairie. Et nous avons tout un procédé d'action en cas de gel, en cas de neige, pour pouvoir aller déneiger les routes. Alors, il y a déjà les axes départements, il y a déjà une organisation à ce niveau-là, et au niveau de la commune, nous avons revu donc ces campagnes. Alors, nous savons que c'est difficile, et certains habitants sont impatients, souvent, du déneigement, mais avec les moyens que nous avons, et surtout les conditions que nous avons eues à fin décembre, il est très difficile de pouvoir agir contre une neige qui tombe en abondance, surtout en une journée. Voilà. Il faut être conciliant, et je voudrais surtout en profiter pour féliciter et remercier nos agents qui œuvrent au quotidien pour rendre votre quotidien à vous le plus agréable possible, surtout dans ces problèmes de climat ou de météo. Voilà. Alors, 2010 a été des travaux réalisés à hauteur de 770 000 euros, essentiellement 530 000 euros sur le budget général et environ 240 000 euros sur les budgets annexes de l'eau et l'assainissement. Alors, continuité dans notre projet de travaux sur l'aménagement, sur la voirie et les trottoirs. Nous avons réalisé notamment les trottoirs de la rue de l'Église et puis la rue de Châteaudun pour une valeur à peu près de 90 000 euros. Je reviendrai un peu sur cette voirie après, qui est une compétence qui est passée aussi dans le domaine de la commune. On arrive tout à l'heure à exposer. Les travaux de réhabilitation et d'entretien de château, difficultés avec les angles extérieurs sur la partie gauche en enfant, nous avons vu qu'elle a été réalisée il y a une quinzaine d'années, a priori, il y a des soucis de mélange. Et c'est vrai qu'ils avaient tendance à s'effriter, à tomber. Donc nous avons refait ces enduits, près, autour de 15 000 euros. Et nous avons un programme de réhabilitation tous les ans, au niveau des menuiseries, pour améliorer l'isolation de ce bâtiment. La continuité de l'aménagement de cette salle des fêtes, que nous avons rendue polyvalente en 2009. Et sur 2010, nous avons aménagé la salle de rangement à côté et l'office qui se trouve derrière, que vous pouvez visiter après, qui est réellement, on peut dire, un office. Donc on a donné pour ne pas définir une cuisine, mais elle est équipée comme une cuisine avec des frigos, un coin de réchauffe et puis un lave-vaisselle, une hotte qui peut être très utile dans l'ordre de l'organisation de soirées, d'événements d'ensemble ou de repas. Voilà, si vous voulez visiter après, c'est bien sûr avec plaisir. Ces travaux ont été réalisés en interne par nos services, donc ce qui est plutôt intéressant, d'utiliser la compétence et la polyvalence de nos agents, parce que surtout on intéresse et qu'on peut les réaliser à moindre coût.
Nous avons aussi recyclé bon nombre de matériel qui venait de l'ancien collège, dans les DVD, plateformes en inox, une lave vaisselle qui a été préparée par Michel Lafoy, par exemple, voilà. Et puis la hotte qui venait de l'ancien foyer. Nous avons récupéré un maximum de matériel pour pouvoir un office qui soit en attente de restauration et autres. Voilà. Donc, même projet par rapport en interne. Nous avons reconstruit un bâtiment, je pense que vous avez vu derrière les buts du stade près des tribunes du football, pour restocker le matériel et services techniques. Et nous avons aménagé le garage pour faire une salle de réunion, une sorte de club house pour ce club. C'est quand même plus intéressant pour eux dans l'animation de leur club. Ça a été fait aussi en interne par les services techniques de la ville. Et puis les travaux, bien sûr, de continuité, ce qui a été fait par mes prédécesseurs, l'entretien de nos réseaux, l'entretien des réseaux d'eau et réseaux d'assainissement, avec un dossier important, c'est la remplacement de la canalisation de l'abus du Timoret, qui a été fait peut-être un peu tard, on n'a pas eu trop le choix. Elle va bientôt être touchée, c'est pas chipé en prochainement. J'espère que ça ne va pas poser trop de désagréments, mais c'était important de pouvoir rénover cette canalisation, et sur 2000 ans, nous verrons si nous avons encore différentes étapes habitation de notre réseau, de nos réseaux, de notre réseau d'eau et de notre réseau d'assainissement. Partie de voirie, qui est plus liée à une voirie départementale, c'est notre RD 25-1. Oui, c'est bon, c'est bien. Bravo. Donc c'est vrai que cet axe était quand même assez dangereux, donc on a abattu les haies, pour avoir une meilleure visibilité, élargi la chaussée, et refait le revêtement. C'est vrai que cet axe est important, on a beaucoup de camions, c'était assez dangereux. D'où l'intérêt de refaire cette voie. Voilà un peu pour les travaux. Concernant les affaires scolaires, donc toujours des actions d'animation qui sont réalisées avec brio par notre adjointe aux affaires scolaires, Sylvia Bonnon. Les portes ouvertes du restaurant, intéressant pour le public de pouvoir visiter le restaurant, avec un engagement des agents sur l'amélioration des qualités des repas, la préparation, des repas de meilleure qualité. Donc ça, c'est une animation qui est très durant toute l'année. La visite de la mairie du Conseil Général, c'est important pour les classes de CM1 et de CM2. Donc les CM1 visitent la mairie pour leur expliquer ce que c'est une collectivité, tout intéressant. Et nous faisons une visite du Conseil Général pour les CM2. Si d'ailleurs, certains élus des communes de l'entour veulent faire la même chose, c'est avec plaisir de se voir au Conseil Général pour présenter un petit peu les compétences et les activités du Conseil Général. Et puis des idées de visite de stations d'épuration pour aller dans la continuité de l'information auprès des jeunes, de l'activité d'une collectivité, de l'action de sensibilisation à l'environnement pour 2011. Des équipements sportifs, comme vous avez vu tout à l'heure sur le diaporama, l'aménagement des buts dans les salles, dans les cours de l'école Roland-Garros. Et puis bien sûr, des travaux d'entretien des bâtiments, peinture, ventilation, sur les deux écoles, l'école maternelle et l'école primaire. Et aussi l'installation de tableaux numériques interactifs à l'école Roland-Garros. Un tableau interactif a été installé en 2010, un autre sera fait en 2020. Voilà, prochainement, début d'année. Et puis, sur la fin de l'année, donc, nous aurons installé 4 tableaux numériques à l'école Roland-Garros. Et puis, nous avons revu le système de garderie le soir, qui n'a pas été, qui a été un petit peu abandonné par nos instituts, qu'on a pris en charge au niveau de la collectivité. Sur toujours une garderie le soir vers 18h. Alors je reviens sur les tableaux numériques, quand même une innovation importante. Ces tableaux, ce sont ni plus ni moins le rétroprojecteur que vous avez là, ce qui permet de diffuser des images durant la classe. Et bien sûr, ce tableau est relié à Internet, permettant l'accès à tout un tas de sources que vous connaissez tous bientôt. Bien sûr, c'est différents cartes, différents supports. C'est quand même un support moderne et interactif qui est tout à fait appréciable pour nos élèves. Voilà, nous pensons équiper sous 2 ans l'ensemble des classes. On sera Michel, je pense que fin 2012, nous aurons équipé l'ensemble des classes de ces tableaux numériques. Passons aux affaires sociales. Beaucoup d'événements aussi ont lieu cette année. Pour passer un nouveau service de notre mairie, aujourd'hui, vous pouvez faire un passeport sous 5 jours, dans ce passeport biométrique. Vous pourrez faire en 2011, le deuxième semestre 2011, les cartes d'identité de la même façon, que vous soyez habitant de la commune ou pas. Donc ça, c'est quand même un service très important. C'est un petit
petit peu compliqué avant, ça peut être 15 jours, 3 semaines pour avoir un passeport, aujourd'hui il faut 5 jours. Dans le cadre de la santé, nous avons accueilli un nouveau médecin, un médecin qui a été recruté en collaboration avec l'hôpital local et la communauté de communes. Nous avons accueilli un médecin roumain, c'est certainement, qui s'est installé en mois de juillet, enfin juin-juillet, et qui s'est tout à fait bien intégré dans le secteur de la loi. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. Nous avons aussi la réalisation de notre maison de quartier, vous avez peut-être vu rue de la Bruyère, qui a un but aussi d'animation au niveau de ce secteur, notamment dans l'aide aux devoirs le soir. Je tiens à remercier certains élus qui se sont engagés sur ce dossier, notamment Claudette Leparc, qui a pris en charge ce dossier, qui a réussi à mobiliser une dizaine de bénévoles pour aider les enfants en difficulté scolaire sur ce territoire. Les résultats sont très satisfaisants. On a malheureusement beaucoup d'élèves, je crois que c'est 16, qui sont actuellement sur cette aide scolaire, mais c'était vraiment une très bonne initiative de ces élèves d'avoir engagé ce projet. Nous essaierons de trouver une animation au sein de cette maison dont le quartier a bien besoin. Voilà. C'est aussi l'achèvement de Jardin du Galou. Jardin du Galou, c'est le lotissement qui est aussi près du quartier de la Bruyère. Lotissement qui a eu des difficultés de réalisation. C'est vrai que le lotissement a eu quelques petits problèmes de réalisation. Bref, nous arrivons quand même à la fin. On a reçu les nouveaux habitants aussi. C'est une nouvelle animation que nous ferons tous les ans début décembre. Et nous avons reçu le bon nombre de ces habitants du lotissement du Jardin du Galou. Et nous essaierons de résoudre un petit peu les problèmes, bien que, au niveau de la voirie, j'espère, je crois que ça sera fini d'ici un mois à peu près, et nous arriverons à fin mars. Voilà. Je suis un peu toujours optimiste. Hein. Donc voilà, l'ensemble de ce lotissement devrait être réalisé dès la fin du printemps. Et puis une collecte de jouets aussi, une bonne initiative qui a été organisée le 1er décembre. Et enfin, bien sûr, le traditionnel repas des anciens et les colis de fin d'année qui ont été aussi un succès cette année. Voilà, au niveau des affaires sociales. Concernant toutes les affaires culturelles, effectivement, nous avons continué le soutien aux différentes associations, dont beaucoup de ses représentants sont là ce soir. Je tiens vraiment à les féliciter pour leurs actions et leur dynamisme durant toute l'année. Je crois que nous continuerons, bien sûr, en 2011 à soutenir leurs actions, que ce soit matériellement ou financièrement. Vous pouvez bien sûr compter sur nous. 2010 a été aussi la deuxième édition du festival Une scène pour tous, que l'on a pu voir le départ en 2009, avec la chance d'avoir en ouverture Laurent Mouzy et Alain Souchon, grâce à l'action notamment de Michel Valbé, adjoint, qui a ce projet. Donc c'était la deuxième édition. Hein. Et l'intérêt surtout a été de créer cette association Les Portes du Perche, en fait, qui est aujourd'hui le porte de projet. Et nous verrons en 2011 la troisième édition. Nous travaillons actuellement sur la programmation. On avait déjà des bonnes idées. Voilà, ça vous plaira. Pour donc réserver votre deuxième week-end de juin, le 11 juin 2011. Une action aussi qui a été réalisée cette année. Coq sans perche, le défilé coccinelle, mode de 70, qui a été réalisé par Olivier Brandelon et Sylvia. Je tiens vraiment à les remercier, ça a été un week-end de réussite, il a fait très beau, il y a eu 150 voitures, c'était vraiment un événement très sympathique. Je reviens aussi bien sûr sur les 20 ans de notre bibliothèque. Je ne sais pas si notre bibliothèque est là, mais en tout cas je tenais aussi à la féliciter pour cette initiative d'anniversaire. On a eu des choses assez intéressantes, un concours de dictée avec notre champion du monde, Michel Thorin, qui a gagné. Alors moi j'ai participé, mais en dessous de 14, ils n'ont pas dicté. Ça veut dire que j'avais moins de 14. Mais bon, rassurez-vous, je n'étais pas le seul. Une dictée pas facile quand même. Voilà, des idées comme ça, et puis un concert pour faire ce week-end. C'était vraiment très sympa, et puis nous avons eu l'occasion de revoir les anciennes bibliothécaires, toute l'histoire de nos prédécesseurs, différents maires qui vont réaliser, qui vont contribuer à la réussite de cette bibliothèque. Initiative intéressante par rapport à notre école de musique. Nous avons réalisé cette année un concours bien traditionnel, un retour à l'ancienne, un concours de violon de la ville, qui a super bien marché. Les jeunes qui ont participé ont été très motivés. Ça a vraiment tiré tout le monde vers le haut. Et je tiens aussi à remercier et à féliciter l'ensemble des professeurs de l'école de musique, ainsi que son directeur, Gérard Esdé,
qui sont au quotidien toujours dynamiques pour organiser des choses dans cette école, et surtout cette initiative de Bonbon, qui s'inscrit en deuxième édition en 2011. Et enfin, un événement aussi majeur, c'est la création de l'association La Récré des Seniors, sous l'impulsion de plusieurs élus, dont Michel Thomas, Pierre Moustière, et puis M. Bonino aussi, Bernard Bonino. Voilà, il a été créé cette association, dont le président est aujourd'hui Claude Bouard, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Le but étant de créer de l'animation de proximité. Alors ça a commencé sur un atelier informatique, on a été très surpris de voir plus de 100 personnes s'y inscrire, ce qui prouve bien qu'il y avait un besoin. Et c'est aussi le but de rompre un peu l'isolement aujourd'hui, d'avoir des notions d'informatique, c'est aussi un moyen de communiquer avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Donc voilà l'initiative qui a été très intéressante. Ça va s'étendre sur d'autres activités, alors ce ne sont pas des activités que nous proposons, ce sont des activités que les seniors créeront. Les thèmes dansants, les thèmes de jeu, tout un tas de... Alors, je ne sais pas combien vous avez de membres pour l'instant, mais... Il y a une réunion jeudi. Voilà. Alors, réunion jeudi. À quelle heure? 15h. 15h, ici. Voilà. Réunion jeudi à 15h. Alors, quelques photos pour vous rappeler le festival des portes ouvertes et des portes du Perche. Je rappelle un festival qui est 100% gratuit, qui a un but de... promotionner à la fois des groupes locaux et plus connus, Fox en Perche, dès maintenant notre bibliothèque, et la récré des seniors. J'en profite pour remercier M. Cabal, le principal, qui met à disposition gracieusement l'ensemble des installations informatiques du collège et qui nous permet de recevoir deux groupes par semaine pour des initiations à l'informatique. Et c'est très intéressant de revoir les seniors retourner au collège. Alors, quelques événements qui ont marqué 2010. Je vais bien sûr citer deux visites ministérielles à la Loupe, c'est quand même pas très souvent, donc à la Loupe dans sa région. Donc, effectivement, nous avons vu Christian Estrosi venir dans cette salle durant l'année 2010. Et puis Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, qui s'est déplacé à Beaussé. Monsieur le maire de Beaussé, c'était un très bon souvenir. Grâce du coup de main quand même de notre député, qui nous a permis quand même d'avoir ces visites, il faut dire, que j'excuse pas parce qu'elle va arriver, hein. C'est pour ça que je n'ai pas parlé, si vous voulez, à nos gens, elle arrivera en fin de séance. On va juste un peu trop tard, nous aurons l'occasion de la saluer tout à l'heure. Et puis un événement qui a été aussi très apprécié, je crois, Paris-Tours. Donc c'était l'objectif de faire vivre un événement sportif international dans une commune comme la nôtre. Je tiens à remercier le Conseil Général, son président, Marc-Éric qui nous a soutenus sur notre candidature. Et c'est un beau challenge de réussir ce projet, un souvenir inoubliable. 80 bénévoles ont participé, alors je sais qu'ils sont nombreux ce soir, que ce soit les cyclos, le stade européen, les collectionneurs du Perche, il y a eu tout un mélange de ça, et ça a été un bien fantastique. L'accès aux champions, Bernard Rigaud, qui vient de tout la salle, Daniel Mangeos, speaker du Tour de France, enfin, c'était un week-end qui nous restera très longtemps. Et puis le départ, une réussite avec, je le disais tout à l'heure, 5000 personnes au départ selon les organisateurs et 5000 personnes aussi selon la police. Donc, c'est pas... Il n'y avait pas de distance. Alors on compte 6000 selon les organisateurs, 5000 selon la police. Ça a été vraiment un week-end exceptionnel. Voilà. Et voilà pour cette prospective. Bonjour. Voilà. Bien, juste un instant de parler de toi. Pour te remercier et te pousser pour les visites ministérielles. Donc, après cette prospective rapide de 2010, voilà quelques. De projet pour 2011. Alors, pour revenir sur les travaux, bien sûr, nous continuerons la réhabilitation de cette salle en travaillant sur les sous-sols et en bas pour en faire une salle ou une association de métiers créatifs. J'y en bas, je pense que ce sera intéressant pour eux. L'aménagement des loges, qui se situera par là. Travailler sur l'isolation pour gagner au niveau de la consommation énergétique, niveau acoustique. Alors, curieusement, cette salle a des soucis acoustiques alors que. On a pu voir dimanche
et symphonique de Chartres, c'était excellent. Lorsqu'il y a un groupe et une sonorisation, c'est pas très bon. Quand c'est le micro, c'est moyen. Donc il faut qu'on arrive à travailler sur cet aspect acoustique pour gagner en qualité. Et puis au niveau de l'aménagement, pour les gens qui veulent organiser des repas, on va aussi recommander des tables qui vont être rondes et plus faciles à utiliser que ce qu'on a aujourd'hui. Donc leur aménagement de cette salle est fait. Continuer la réhabilitation de notre château avec un gros morceau de chauffage qui est en difficulté, c'est pas génère. Le mur de soutènement qui va s'écrouler, donc ça c'est une urgence de sécurité. C'est un coût important, je pense qu'on va réussir à le faire cette année. C'est plus de 90 000 euros. Continuer aussi sur le changement des menuiseries et puis travailler sur l'aménagement du sous-sol qui est nécessaire à nos expositions, notamment le système de ventilation et de chauffage pour essayer d'en faire une salle un peu qui fasse un caveau ou autre. Donc, c'est de travailler là-dessus, l'énergie. Donc, nous referons toutes les fenêtres du hall de la mairie et reprise des marges de l'église qui sont aujourd'hui dangereuses. Je pense que faire du gel, c'est important. Donc, ça sera aussi refait en 2011. Le chemin à la Grosse-Pierre, qui lui, c'est un chemin qui est sur la route, je sais quel numéro c'est là, l'église Jean-Jacques. C'est un carrefour qui est assez dangereux, c'est plutôt une raison de sécurité. Et puis bien sûr, les travaux de voirie sont toujours engagés. Deux trottoirs, hein, on avait donné un plan d'action sur 5 ans, on va pas prendre la quatrième année. Et puis l'entretien de nos voiries et de nos réseaux, comme on a pu voir tout à l'heure, toujours dans la continuité. Voilà. Alors, le gros projet de 2011, nous à mi-mandat, ça fait 3 ans que nous avons été élus. Après une phase d'études et d'analyse, nous avons décidé d'attaquer en 2011 une phase importante de réalisation qui va être passionnante, qui va durer 3 ans. L'objectif étant de réaménager nos espaces publics et notamment le centre-ville. Alors, parce que vous avez déjà vu un peu les esquisses, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. Juste pour rappeler les objectifs, améliorer la circulation, donc des points un peu difficiles, améliorer le stationnement, que ce soit en quantité et en qualité, et puis surtout retrouver et privilégier la sécurité des piétons, retrouver le piéton retrouve sa place au sein de notre ville, au sein des carrefours, au sein des croisements, ça me paraît essentiel, et bien sûr réaménager les places au banc Casimir, Petit Jouvet, Europe, Église, Vitmay et Hôtel de Ville, comme certains ont beaucoup souffert, ont vraiment besoin de rénovation. Et puis bien sûr, valoriser le château et son accès, quand même un édifice important qui est esthétiquement intéressant. Et tout ça n'aurait qu'un intérêt, enfin, ne serait pas sans intérêt si ce n'avait pas une vision de soutien à l'animation commerciale, c'est-à-dire qu'il est essentiel d'amener cette animation pour notre commerce local qui est primordial pour la survie de notre ville. Donc en même temps, ces travaux d'investissement vont. Investiront dans le fonctionnement, notamment en engageant cette année sur un contrat de 2 ans, une chargée de mission qui aura pour but de soutenir cette animation commerciale, en parallèle avec l'union commerciale, avec nous bien sûr la mairie, sur des nouvelles actions pour essayer de dynamiser et maintenir une activité commerciale sur notre territoire. On n'a pas l'intérêt d'investir, mais ça, de l'avoir après, est important s'il n'y a pas une dynamique derrière. Donc nous mettrons cette année des moyens humains et financiers importants pour soutenir notre commerce local. Alors le secteur opérationnel, c'est juste pour redonner un petit peu le déroulé de nos travaux. Première étape sur 2011, ce sera tout le secteur de l'église. Place de l'Europe ici, on augmentera le nombre de stationnements sur ce côté-là. On va transformer l'allée d'Angène qui est une allée aujourd'hui en une vraie rue, ce qui va quand même être intéressant au niveau de circulation. Poursuivons les travaux sur la place Vauban, et puis nous irons vers la place Casimir Petit Jouvet en travaillant sur l'ouverture du château. Alors, bien sûr, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Il est bien sûr important d'augmenter les places de stationnement, meilleure circulation, de conserver bien sûr le marché en totalité sur ce secteur-là. Donc, nous allons aussi retravailler sur cette petite zone devant la bibliothèque pour remettre des camelots. Je pense qu'on arrivera aussi à en refaire autour là, voilà, en essayant de redynamiser et surtout d'améliorer une meilleure qualité de notre marché, notamment que ce soit au niveau des bornes électriques et autres, parce que c'est un petit peu compliqué et puis il est un peu confus. Voilà, donc faire évoluer aussi notre marché, c'est aussi dans le. Et alors au niveau aussi
question importante. C'était où allons-nous mettre notre fête foraine. Donc, a priori, au départ, on était là. Hein. Donc maintenant, elle sera ici. Elle sera carrément sur le centre de la place. Alors le passage, pour vous donner une idée de chiffres, hein, qui sont aujourd'hui des estimations quand même assez poussées. Donc phase 1 2011, secteur de la rue Église, place de l'Europe à nous, à l'hydrogène. Donc à 620 000 euros, la phase 2 2012, place de l'Orient 780. Et en 2013, place Casimir 460. Un total d'1 860 000 euros. Donc il y a une subvention qui est très bas, 25%, nous espérons avoir bien plus. Mais au moins, nous sommes, je dirais, objectifs. Et il faudra donc autofinancer 1 395 000 euros, soit environ 350 000 par an, ce que nous pouvons faire. Nous n'aurons pas de retard à l'aspect financier, nous n'aurons pas de recours à l'emprunt pour réaliser ces travaux. Pour un titre, nous n'aurons pas recours non plus à l'augmentation de l'impôt. Plutôt intéressant pour vous. Donc quelques perspectives qui sont des schémas, hein, parce que la réalisation sera peut-être un peu différente. Donc reprendre cette rue, retravailler le parvis de l'église, qui est très intéressant lors des cérémonies, des mariages, des décès, pour le sécuriser. La place au bord, avec une circulation qui sera circulaire. Jardin en espalier qui donnera sur le château pourra servir éventuellement de théâtre de verdure, des manifestations de plein air, notamment les fêtes de la musique, des choses comme ça pourront se réaliser sur le centre de la place. Aménagement d'espace vert sur le côté gauche de la salle des fêtes. Et puis une allée centrale qui montera le château avec des aménagements, il y aura un peu d'éclairage, des choses comme ça, ce qui valorisera un peu la place. Et puis une ouverture ici, bien sûr. Ici, on l'ouvrira pour avoir une meilleure perspective du château qui sera aussi éclairée pour en profiter du silence des lumières. Voilà pour la place Vauban et puis un square sur la place Casimir Petit-Jouvet. Bon, il n'est pas à l'échelle, hein, vous imaginez que les barrières en bois elles sont beaucoup plus discrètes, mais c'est juste une perspective. Mais. Réaliser un square au centre de cette place qu'on a bien besoin, parce qu'elle est un peu triste d'être quand même. Ça va lui redonner une autre allure. Voilà, donc, par rapport à ce projet, c'est un projet important, hein, qui va durer pendant 3 ans. Donc nous allons essayer de le réaliser par étapes, pour essayer de créer le moins de problèmes possible, que ce soit au niveau du commerce, au niveau des riverains. Et on va donc enchaîner sur 2011, 2012, 2013. Normalement, on aura fini Gilbert Camp. Tu vas dire décembre, et moi je vais dire janvier. Le plus tôt possible. On n'a pas encore vraiment le rétro-planning de tout ça. En tout cas, nous espérons le faire le plus vite possible. Alors, quelques événements pour 2011 importants, hein, c'est la couverture du chêne doré. Aujourd'hui, les travaux sont démarrés, donc ça nous verra normalement avant l'été. Avril, mai. Non. Je suis toujours optimiste. En septembre. Non, avril, juin. Brico, marché intermarché, un projet important. C'est vrai que merci Daniel Cabaré et Sébastien d'être parmi nous. C'est vrai que c'est un gros investissement. Vous avez pu voir que c'est un chantier qui a été très vite et de qualité. On aura suivi, il a été réalisé dans de bonnes conditions. Et là, on peut donner une date vraiment d'ouverture, je me permets. Normalement, si les conditions météorologiques ne vous sont pas défavorables, ça a été là. L'ouverture est prévue le 17 février. Voilà. Donc, bonne chance à vous, en tout cas, pour l'ouverture et la réalisation de ce projet. Pour continuer dans le cyclisme, nous accueillerons pas une épreuve internationale cette année, mais nous passerons au cyclisme amateur. Nous accueillerons donc l'arrivée d'une étape du Tour d'Oréval le vendredi. Ça, 10 heures. Donc, c'est la première étape du Tour de Réunion, qui sera donc à la loupe. Et puis, beaucoup d'événements culturels sur notre territoire, et nous essaierons en collaboration avec le syndicat d'initiative, la communauté de communes et l'ensemble des acteurs,
de coordonner ces événements culturels, d'en faire une saison culturelle, c'est-à-dire d'avoir un programme un peu plus structuré. Il se passe plein de choses, mais à nous d'essayer de coordonner tout ça et de mieux les promotionner. Ça sera aussi notre objectif par rapport à 2011. Alors, quelques chiffres pour finir. Traditionnellement, je finis par des chiffres. Pour vous dire que cette année a été marquée, donc, je rappelle, 770 000 euros d'investissement. Notre CAF, c'est pas la caisse d'assurance familiale, c'est la capacité d'autofinancement. Elle est de 480 000 euros en 2010. Nous n'aurions pas recours à l'emprunt pour 2010, ni l'augmentation de la fiscalité en 2010, même si on n'est pas dans des orientations budgétaires aujourd'hui, mais je pense que mes collègues vont pas dire le contraire. Je pense que nous n'augmenterons pas non plus la fiscalité en 2011, même si nous n'avons pas voté officiellement. Je vais vous annoncer que, en tout cas, je proposerai à mes collègues de ne pas augmenter la fiscalité locale pour 2011. Alors je reviens à cette capacité de financement qui est ni plus ni moins, si on donne une définition. Peut-être un peu long, mais c'était pour clarifier le terme, enfin la formule. C'est la partie des recettes d'une année qui reste disponible après avoir payé les dépenses courantes et qui sert essentiellement à rembourser les emprunts et à payer les travaux d'investissement que nous avons pour cette année. Alors en 2008, elle était de 340 000 euros. Elle est montée en 2009 à 470 000. Elle est aujourd'hui de 480 000. Ce qui est très important, ceci est dû essentiellement aux économies qui ont été réalisées depuis 3 ans. Économie personnelle, je vous rappelle que notre secrétaire de mairie n'a pas été renouvelé, le directeur des services techniques est parti, on n'a pas renouvelé non plus. Et ça, nous sommes arrivés à cette situation-là, c'est bien grâce à l'engagement de nos élus qui travaillent au quotidien dans cette mairie, que ce soit au niveau des travaux, je pense à Gilbert qui passe un gros boulot de temps avec ses collègues Jean-Jacques Latini, Pierre Boustier, Alain Lambert. Et puis au niveau de l'organisation des services administratifs, où avec Joseph Varenne, Michel Thomas, Michel Maldé et moi-même, nous gérons l'ensemble des équipes, ce qui nous permet de ne pas avoir de secrétaire de mairie. Non pas remplacer donc notre policier municipal, et puis toutes les économies qui ont été engagées depuis 3 ans. Et encore cette année, différents contrats ont été négociés, je citerai 3, contrats avec nos opérateurs téléphoniques qui ont permis d'économiser 4 000 euros à peu près. Des contrats dans les renouvellements d'entretien des bornes d'incendie. Vous gagnez 50 euros multiplié par X, ça doit faire 2 500 euros. La renégociation pardon, de nos contrats d'assurance qui ont été réalisés par Bouillot, c'est 4 ou 5 000 euros en moins aussi. Donc voilà, c'est le travail de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui nous avons une capacité d'autofinancement à ce niveau-là, qui va nous permettre de réaliser donc ces travaux d'aménagement pour les 3 années à venir, sans recours à l'emprunt ni à l'augmentation de la fiscalité. Pour finir, je remettrai juste l'état de notre dette, qui était donc en 2008, au 31-12, de 2 400 000, soit une dette environ de 663 euros par habitant. Pendant les 6 ans de notre mandat, nous n'aurons pas recours à l'emprunt, ce qui veut dire qu'en théorie, à la fin de 31-12-2014, la dette sera diminuée à la hauteur de 1 950 000. Ce qui représentera une diminution de cette dette de 21,8% durant la durée totale du mandat. Voilà pour ces quelques chiffres de vous éclairer sur l'état de nos finances. Je finirai par quelques mots très importants. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons dire que le site de notre président, le conseil général, est venu mercredi, qui disait que la commune est notre collectivité de cœur, mais notre collectivité de raison devient la communauté de communes. Et grâce à l'impulsion de son président Jean-Pierre Boudet et l'ensemble des élus qui s'engagent dans cette communauté de communes, c'est beaucoup de projets qui se développent au sein de notre territoire. Alors nous avions eu 2 axes de développement, le service à la population et le développement économique. Ce sont vraiment nos 2 priorités. Alors, pour mener tout ça, il faut bien sûr des finances. Nous avons travaillé dans cette année avec Jean Rousseau, je vous remercie aussi d'être là, qui est le président de la commission des finances, pour avoir une visibilité sur nos ressources. C'est vrai que nous avons eu la réforme de la taxe professionnelle, qui est un petit peu difficile à suivre, et dans les prévisions, etc. Sur Rousseau, c'est pas toujours facile. Nous avons aussi la perte de Québécois, qui a été quand même une perte de recettes importante pour nous. Hein. Je rappelle, c'était la plus grosse entreprise. Pour donner un chiffre, les recettes du TP, 2008, c'était à peu près 1 million d'euros, et que
Québécois, c'était 280 millions. D'ailleurs, on a perdu 28% de ressources, c'est quand même considérable. Donc, revoir nos ressources et puis avoir une visibilité de l'après-taxe professionnelle, c'était aussi un travail cette année, toujours en cours d'ailleurs, pour avoir une bonne assise financière. Et puis, bien sûr, travailler sur ces deux axes, les services à la population. Donc, un résultat important, un projet, c'est la maison de la petite enfance qui a été ouverte cette année, la maison des petits loups qui est en face de l'école de Guimère, qui était très important pour les jeunes actifs, puisqu'ils ont leurs enfants. Pour ça, je tiens à souligner l'engagement des élus et de son président qui ont vraiment mené ce projet. C'est toujours facile, mais on a quand même réussi à ouvrir au mois d'août. Je tiens à remercier aussi la présence de mon directeur ici, qui contribue à la bonne marche de notre communauté de communes. Et puis un projet important de service qui va être enfin réalisé cette année. Donc, pareil, c'était un peu compliqué dans sa réalisation, dans sa préparation. Certains sont impatients. Hâte de rentrer dans cette maison de santé. Elle va ouvrir enfin cette année, c'est vrai, pour l'été 2011. Nous aurons cet établissement qui accueillera une vingtaine de professionnels. Et vous dire qu'elle a joué son jeu, malgré si le président le dira. Je ne croyais pas trop au début, parce que ça allait bien compliqué de remettre tout le monde là-dedans, mais ça a super bien marché. Et puis, ça a joué son rôle de recrutement, parce que nous avons trouvé de nouveaux professionnels que nous n'avions pas. Sage-femme libérale, différents spécialistes, et je viens d'avoir encore la confirmation cet après-midi du psychiatre, qui est officiellement, on l'a dit tout à l'heure, qui a intégré la maison médicale. Vous voyez, c'est des choses importantes. C'est un domaine d'activité qu'on n'avait pas du tout sur la région du Perche. Très intéressant. Projet innovant, ce sera le premier du département, j'espère qu'on fera référence. Et en tout cas, c'est un peu compliqué, vous avez vu, le chantier s'est un peu arrêté. Comme disait Jean-Christophe hier, on a subi tous les désagréments possibles des marchés publics. Enfin, Gilbert qui dira l'inverse. Pourtant, on met toute l'énergie qu'il faut, surtout eux, mais on est tombé sur un maître d'œuvre qui est un peu compliqué. Moi, j'avoue que j'ai du mal à le causer maintenant. Le tour est non, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, pour notre maison de santé, et puis bien sûr notre deuxième axe de développement, le développement économique, bien sûr. Donc deux projets importants, l'ancien collège, qui est en cours de réhabilitation, qui avait visé tertiaire, tirer des activités de service. Donc une première étape qui est effectivement en face avec la communauté de communes. Trois entreprises vont intégrer déjà ce bâtiment, on espère en 2011. En intégrer trois autres, et puis nous continuerons sur le grand bâtiment en béton que nous venons d'inscrire sur un projet PER. Je profite pour le rappeler à l'ordre, je pense qu'elle s'en souviendra quand même si elle peut donner un coup de main pour faire valider ce projet. C'est une subvention qui sera intéressante pour habiliter ce bâtiment, donc on est éligible à ce dispositif qui démarre en 2012, donc voilà, ce qui peut nous permettre de finir la première tranche en 2011 et de commencer 2012-2013-2014 sur la suite. Et puis la première partie de requalification de la zone industrielle et des bâtiments québécois. Bâtiments qu'on est en train de chercher un autre nom, parce que je crois qu'il faudra sortir de Québécois, appeler cette zone autrement. Donc, première étape, requalifier la zone, assainissement, c'est en route. C'était un dossier difficile de nos prédécesseurs. C'est parti et grâce à eux, parce que je sais que bon nombre de choses ont été faites avant 2004. Nous avons pris les choses en cours. Et aujourd'hui, c'est parti en 2010. Nous allons enfin mettre dans cette zone, assainir, ce qui va nous permettre de diviser le bâtiment québécois et de pouvoir proposer, dès la fin du premier trimestre 2011, des locaux à des prix très compétitifs pour accueillir de nouvelles entreprises. Donc voilà, c'est un challenge pour nous, comité de prendre en charge réhabilitation de ce bâtiment. Sinon, ça serait devenu une friche. Donc, je tiens aussi à remercier l'ensemble des élus et son président d'avoir œuvré dans ce sens. Voilà pour le développement économique. Je crois que j'ai fini. Ah oui, c'était la fin. Mais écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. En tout cas, je profite pour, bien sûr, vous renouveler tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Je laisse la parole à Pierre Boudet, quelques mots.
plaisir, et puis bien sûr à l'heure dernière. Et je reprendrai très rapidement une fois après pour finir juste pour raconter un peu. Je reprends. Voilà. Merci. Monsieur le maire, cher Eric, monsieur le capitaine et des adjudants, chef adjudant, mesdames, messieurs, chers amis, je suis bien sûr ravi d'être ici ce soir et pour féliciter toute l'équipe municipale. Quand je vois les projets, les réalisations qui ont été faites en 2010 et les projets qui attendent 2011, félicitations pour avoir arrivé à mener tout cela de front. Un petit mot pour la communauté de communes, mais bon, je pense que le plus gros vous a été dit. L'ouverture de la crèche, ça c'était quelque chose qui était très attendu pour l'ensemble de la population, puisqu'aujourd'hui, enfin, dès son ouverture, c'était complet. Je pense qu'elle apporte satisfaction à l'ensemble des habitants, parce que j'ai encore rencontré personne qui était mécontent, ou plutôt ceux que je rencontre qui sont mécontents, c'est parce qu'ils n'ont pas de place, donc c'est vraiment un gros signe. La maison de santé, comme nous l'a dit Eric tout à l'heure, c'est vrai que la maison de santé, ça a été très difficile, ce projet a été traîné depuis un certain nombre d'années. Les marchés publics nous ont posé quelques problèmes, mais aussi l'architecte, les entreprises. Bon. Oui, plus le temps qui s'y mène aujourd'hui. Mais bon, ce projet avance quand même, il est parti aujourd'hui sur de bonnes bases, et on espère bien que pour la fin de l'été, disons que juillet-août, il sera opérationnel. Ce qui est économique, bien sûr, on continue de se battre pour le développement économique, pour créer de l'emploi. C'est aussi notre facteur final. Je pense que ça, si on n'arrive pas à générer de l'emploi, on n'arrivera pas à développer notre région. Donc il faut qu'on arrive à faire venir des entreprises. C'est difficile, on s'y attache tous ensemble, avec l'ensemble des vice-présidents et les membres de tous les élus de la communauté de communes. On a quand même des lueurs d'espoir, on a quand même des pistes qui se créent, qui arrivent, donc on se dit, bon, je crois qu'on y croit, et on se dit, bon, on va y arriver. L'ancien collège, là aussi, c'est le lieu, enfin, c'est aussi les bureaux de la communauté de communes. Donc là aussi, on a des locaux qui sont en train de se. Enfin, qui vont démarrer, l'ouverture des puits va se faire pour le 30 janvier, donc on a des travaux qui vont démarrer. Je pense qu'effectivement, on pourra commencer à y rentrer des entreprises, enfin, plutôt du tertiaire, ce sera des bureaux pour le fin du, disons juin, parce qu'on parle toujours du premier trimestre, mais je pense que ce sera juin. Donc si on arrive à être prêt en juin, ce sera bien. Là aussi, on a des gens qui attendent, des locaux qui attendent vraiment. C'est attendant. Le relais emploi, j'en dirai un petit mot quand même. Le relais emploi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, je pense que beaucoup. J'en connais, malheureusement, certainement de trop, parce que c'est vrai que s'il y avait un peu plus de travail, on aurait moins de croissance au relais emploi. Et bon, on a de la chance quand même aussi, parce que c'est quand même un financement entièrement de la part de la communauté de communes. On a deux personnes qui travaillent au relais emploi. Donc je pense que là, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, je peux vous dire de plus, on a un budget qui un petit peu plus difficile qu'il n'a été les années passées avec la perte de Québécois. Pour l'instant, les choses ne se passent pas très mal, pas trop bien, puisqu'on a, on a pas d'emprunt, donc on est assez. Les choses se passent bien. Monsieur Rousseau est là pour le dire, je pense que ça se passe bien. Voilà, parfois vous souhaitez à tous et toutes bonnes et heureuses années, et tous mes voeux. Merci. À saluer les maires du canton de la Loupe que j'ai pu voir, les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs. D'abord, un tout petit mot d'excuse pour être arrivé en retard. J'avais les vœux de Nolan Lotrou auquel j'assistais précédemment. Je voudrais juste dire un petit mot de témoignage, comme il est plaisant de travailler avec les élus du canton de la Loupe et avec votre maire. Et c'est ce qui crée aussi tout le dynamisme sur un territoire, c'est quand l'ensemble des élus travaillent ensemble au développement et à l'aménagement du territoire. Vous avez toutes les
réalisations qui sont faites sur la commune, sur la communauté de communes. C'est le travail de vos élus et députés et là, je dirais, pour donner un coup de main quand on est sollicité, donner un coup de main pour soit aller chercher une subvention, soit aller chercher, je dirais, des facilités diverses et variées auprès de la préfecture en termes d'assouplissement administratif ou au niveau du ministère. Et c'est pour moi un grand plaisir de travailler avec votre maire, de travailler avec le président de la communauté de communes ou avec l'ensemble des élus du canton, parce qu'ils ont à cœur tous ensemble, de façon solidaire, à développer les services pour vous tous. Et ça, tout le travail qui est entrepris par la collectivité et la communauté de communes va aussi porter ses fruits, j'en suis sûre, en matière d'emploi, ce qui est une forte attente naturellement des habitants de la Loupe. Donc voilà, je voudrais les saluer devant vous. Je tiens aussi qu'on parle beaucoup plus de la Loupe, avec des événements qui sont de notoriété, pas encore internationale, mais j'ai compris qu'on avait l'ambition, Eric, donc ça va bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va vous présenter une activité d'ordre international, mais moi je retiendrai en juin 2009 eh bien, la première organisation de la fête de la musique avec quand même deux stars, hein. Que je ne dise pas de bêtises, c'était Alain Souchon et Laurent Bouzy. En plus, nous, ça nous ramène ça me ramène à mes 15 ans, donc j'ai particulièrement apprécié. Cette année, naturellement, le Tour de Réloir, tout ça fait parler de la Loupe auprès des autres cantons, auprès de Chartres, auprès de Dreux, et ça fait vivre le Perche. Donc félicitations pour tout ce dynamisme créé au niveau de la commune et pour le bénéfice du canton et de la communauté de Toulouse. Je voudrais bien sûr ne pas terminer mon discours sans vous souhaiter à chacune et chacun une excellente année 2011, la meilleure possible, avec en priorité des vœux de bonne santé et puis des vœux pour votre famille, c'est-à-dire pas de soucis au sein de votre famille. Et avec ça, eh bien, apporter du bonheur autour de vous et recevez-en, ça fait la joie de la vie. Voilà, merci beaucoup.
après, je vais passer grâce au lien avec 4, hein, je ne vais pas en faire 150. C'était très important, enfin, les 4, c'est vraiment des personnages très importants. En passer aux hommes, c'est un icône à la Louvre, c'est le grand-père des Vigiluc, qui je veux dire, l'homme qui tient Vigiluc son nom. C'est notre ancien président du tir qui a œuvré pendant 50 ans. Je vous remercie, diplôme de citoyen d'honneur. Accessoire à lui. Jean. C'est un maillot de bain quand il était moniteur de natation à Fontaine-Simon, qui est là-bas, à la Malastière. C'est notre ami Jean Leroux qui a aussi. Et a priori, il avait donné quelques cours de natation là-bas. Et écoute, Jean, je vais te rendre oui. Alors tout ça, ça sera aussi validé par une médaille de la ville, mais malheureusement, on les a commandés un peu tard et on ne les a pas reçus. On vous fait parvenir aussi une médaille de la ville en souvenir de ce moment. En tout cas, je tenais vraiment personnellement à l'ensemble que je vous ai vus à vous remercier. Et je crois que, avant de passer au verre d'amitié, je voudrais vraiment que vous fassiez une standing ovation.